Dans la leçon ça, nous allons voir ensemble qui est capable de faire pour nous découper une série d'objets une par rapport avec l'autre. Si je prends cette figure ça qui est sur l'écran, nous, là, si je réalise ce machine en bout, ça t'a fait. C'est sûr, tu vas penser un paquet de l'autre bagaille bien loin jusqu'à ce que vous faites. Pendant ce temps, soit chercher bien loin, il est bien facile devant. Alors, on essaie ensemble. Si vous quand nous côté mon a fait pâté codé ou bien on sert de type pâté rond ou bien cadeau si me prend pâte me plati pâte bien plati mettre les ondes table et puis me prend un godé bouche godé à me déposer le tête en bas sous table là et puis sous pâte là et puis peser godé à descendre dans pâte là. L'enlever godé à, ça qu'a passé. Très bien, monsieur que son monde qui est intelligent, facilement ou abdim que l'enlever godé à, eh bien mac godé à, mac bouche godé à l'a prêté dans pâte là et l'a découpé pâte là en forme bouche godé à hier. Eh bien, c'est même technique ça que nous pouvons employer dans Corel Joe pour nous découper un objet par rapport avec un autre objet. N'a pas parti ensemble. Premièrement, pour un premier objet, un ballon couleur. On a décidé de faire une forme avec quelqu'un. Deuxièmement, on prend un deuxième objet. On va dire qu'on a pris un deuxième objet comme ça. Et puis, il me dit, bon, m'a placé deuxième objet ça, comme ça. Un ballon l'autre couleur. Ça veut dire que j'ai deux objets. Ça signifie, ça, m'a comparé à Godéa, et puis ça, m'a comparé à Patlan. Ça signifie, si je prends ça, je pèse le sous sac en bas, je retire ça, je suppose que max a arrêté là. Comment on a fait ça? Mes premiers objets, je place ça à côté, je voulais placer pour me peser là. Je sélectionne tous les deux ensemble. Je finis de sélectionner tous les deux là, je suis même bas ça. Cette fois-ci, au lieu que je prends Weld, je prends de préférence Trim. T-R-I-M. Je clique sur Trim. Bang. Automatiquement, que je clique sur Trim, c'est comme si je pesais bouche godéa sur patte là. Bon, je prends ça, je retire, je mets là pour vous. Et l'aime la guerre, vous avez supposé marqué rété sous l'autre objet noir. Voilà. Marqué rété. Et facilement, mon objet qui est découpé par rapport avec un autre objet. Bon, je vais bien comment lier. Voilà, mais comment lier. Si je prends ça, je place le. Ou après, c'est comme si, c'est Macli, effectivement, qui t'est rété. Li valable avec n'importe l'autre objet. Moi, dis, n'importe l'autre objet. Si je prends, par exemple, objet ça, et puis je prends, objet ça, par exemple, je place là. Je vais mettre un petit, on l'autre couleur quelconque, qui permet nous identifier deux objets, yo. Je le rouge. Et puis, me dis, bon, je vais le découper, monsieur, par rapport avec monsieur. Et puis, me place là, comme ça. Me sélectionner tous les deux. Voilà. Les fini m'a cliqué en l'air côté marqué trim non. M'a cliqué. Et là m'a cliqué, monsieur m'a retiré monsieur parce que m'a pas besoin encore. Mettez le de côté et si mettez de côté vous remarquez facilement qu'on y a là tout marque monsieur rété dans objet qui était en bas parce que m'était découpé tout ça par rapport avec objet ça. Ou qu'a découpé n'importe objet par rapport avec n'importe objet. Ou qu'a découpé tout un texte par rapport avec un autre objet. Je fais exemple pour avec un texte. Je prends un texte, par exemple, que je relis P, par exemple. Je fais un clic droit sur lui, je clique sur convert to curve. Je explique au pi devant. Ça veut dire. Parce que si je ne pas convert to curve, je ne peux pas découper le papier avec objet ça. Et puis, je place P1 là, comme ça. Et puis, je vais découper P1 par rapport avec objet ça. Je sélectionne tous les deux. Et puis, je clique sur trim. Automatiquement, qui est sous trim, pas besoin de payer encore. Les moitiés PA, Mac PA, se pose hérité. Voilà, Mac PA, hérité, non, objet. Et puis, mes figures, ou vignes, qu'on y a là. Allez, sous machine pour là, essayez de découper plusieurs objets par rapport avec l'autre objet, et puis, dis-nous, qui feeling, où elle gagne.